C'est une idée de Mgr Ravel. Il a souhaité que l'église soit visible et présente au cœur du marché de Noël. Et donc, il a ouvert et il a choisi d'ouvrir la cour d'honneur de l'évêché, celle qui est accessible par la rue du Parchemin et dont la grande porte en bois est bien souvent fermée. Alors cette année, vous aurez l'occasion de pousser la porte et d'entrer dans cette cour avec le palais épiscopal qui servira de toile de fond à ce marché de Noël. Cette présence de l'Église se fera à travers 6 chalets qui sont installés dans la cour d'honneur. Il y aura d'abord une grande crèche, puisque Noël, c'est la venue de Jésus, le mystère de l'incarnation. Il y aura aussi un chalet avec de l'artisanat monastique. Des religieuses seront là pour proposer des produits faits par des moines et des moniales. La librairie diocésaine, le CEDIDOC, vous proposera aussi tout ce qui peut servir de belles idées cadeaux pour le temps de Noël. Les paroisses et mouvements de la zone pastorale seront aussi présents à tour de rôle dans un chalet partagé pour vous accueillir, proposer des petites choses à grignoter, à boire, du vin chaud, voire même, et puis des petites choses aussi à la vente pour que là aussi vous puissiez trouver de belles idées et les soutenir. Il y aura également un stand Caritas présent tous les jours et le stand de la PRTL, qui est la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Une salle même pour vous accueillir et on vous expliquera l'origine et le sens du sapin de Noël, de la couronne de l'Avent, du calendrier de l'Avent, tous ces signes qui nous aident à aller vers Noël. La cour Saint-Nicolas sera ouverte les vendredis, samedis et dimanches à partir du 23 novembre de 11h à 20h et ce jusqu'au 23 décembre. Donc les 5 week-ends qui précèdent Noël, durant la journée, vous êtes les bienvenus dans la cour Saint-Nicolas. Ce marché sera bientôt ouvert, vous êtes tous les bienvenus, alors à très bientôt dans la cour Saint-Nicolas.